Salut poteau, c'est Soul Pitbull de Phoenix World. Moi aujourd'hui, j'utilise le duplication, afterpage de duplication flag prop le poteau. On va pouvoir dupliquer jusqu'à 10 véhicules à la suite. Donc pour ça, rien de plus simple, déjà il va vous falloir la boîte de nuit avec le centre d'opération mobile. Dans la boîte de nuit, il va vous falloir le garage 2 et 3. Donc le garage 3, vous allez le remplir. Vous devez les garage 8 et le numéro 2, vous allez le remplir de rétro custom. Donc si vous n'avez pas délégué rétro custom, vous en mettez deux et le reste vous émettez des délégués rachutes. Ok, donc entrepôt, il vous faut le numéro 2 et le numéro 3. Dans le centre d'opération mobile, il vous faut une délégué rachute. Donc pour ceux qui ont un peu plus de sous, donc si vous l'avez pas c'est pas grave, mais si vous l'avez c'est mieux. Il vous faut le garage de PDG avec des emplacements vides dans les garages. Donc il vous faut le bureau de PDG avec le garage. Et l'atelier de customisation est dans les garages, donc peu importe le garage, soit le 1, le 2 ou le 3, il nous faut des places vides. Ok les poteaux. Donc allez, mais ça c'est pas obligatoire le bureau de PDG, hein. C'est seulement pour ceux qui ont un peu plus de sous. Donc là on rentre dans le garage numéro 2 avec Ami et Croix proximité. Comme vous pouvez le voir, j'ai mes trois voitures à dupliquer. Donc moi j'ai mis des Kuruma parce que j'avais pas de rétro custom, mais je vous conseille pas de vendre des Kuruma, vous pourrez revendre que l'original. Les duplications ne se revendent pas. Donc une fois que vous êtes là, vous allez dans le garage numéro 3. Donc là, il n'y a que des éléguières à suite. Et là, vous retournez dans le garage numéro 2. Donc cette étape, elle est très importante, les poteaux. Une fois qu'on est dans le garage numéro 3, on dit à notre poteau de maintenir... dans le garage numéro 2, excusez-moi, on dit à notre moto de maintenir la flèche du bas, choisir un personnage du mode histoire et rester sur le message d'alerte. Donc là il m'a dit que c'était bon. Donc je peux aller dans le garage numéro 3. Non, je m'ai quitté l'entrepôt avant. Donc je retourne dans le garage numéro 3, mais toujours je m'ai quitté l'entrepôt tous. Donc n'allez jamais directement dans le garage numéro 3, sinon ça marchera pas. Donc vous sortez tous et vous re-rentrez dans le garage numéro 3. Donc il y a votre poteau qui est là, donc lui il reste dans le message d'alerte. Donc comme vous pouvez le voir, il y a les duplications les poteaux. Donc là on est dans le garage numéro 3, il y a les voitures qui sont dans le garage numéro 2. Donc c'est bien des duplications. Donc quand on monte dans le véhicule, donc, vous pouvez regarder la plaque. On finit par 734, on accélère. Et là maintenant 503. Donc... Et là il vous reste plus qu'à appeler le centre d'opération mobile. Donc centre d'opération mobile, demandez centre d'opération mobile. Donc ça c'est pour ceux qui n'ont pas le PDG. Il faut arriver là. De droite, je confirme. Le chargement jaune en bas à droite a disparu. Je peux redescendre du camion. Donc là, je retourne à la boîte de nuit. Donc là, j'arrive. Je descends à pied, donc on va faire la deuxième duplication. Donc on va toujours dans le garage numéro 3. Le poteau est toujours là, donc comme vous pouvez le voir, la voiture du centre d'opération mobile, les garages 8 qui est à l'intérieur, s'est transférée dans ce garage. Donc la duplication, elle, est bien dans le centre.
Donc la plaque 0483, on sort. 852, vous avez vu. Donc là, comme vous pouvez le voir, là, c'est ce que Casa Interactive sans décoration mobile. Il me reste 2 minutes 19 à attendre. Genre pour ceux qui ont le bureau de PDG, vous vous rendez à votre bureau de PDG. Vous avez de la place dans le garage, hein, les potos. Moi je vais dans le garage 2. Comme ça vous enregistrez une fois dans le centre d'opération mobile, une fois dans le PDG, une fois dans le centre, une fois dans le PDG. Comme ça vous pouvez enchaîner un maximum, les potos. Vous n'aurez pas besoin d'attendre à chaque fois les 2-3 minutes qui restent à attendre. Donc là vous remontez. Vous faites flèche de droite. Vous allez changer la couleur de la plaque d'immatriculation, les potos. Parce que si vous ne faites pas ça, la voiture va se retransformer en éléguée à chute. Donc pensez bien à chaque fois à changer la couleur de la plaque. Donc plaque d'immatriculation. On change la couleur, peu importe. Une fois que c'est fait, on est au garage 2. Sortir par le rez-de-chaussée. Et vous pouvez enchaîner les duplications. Ok les potos. Donc là hop. Donc hop de motard. You need something, huh? When he rides? Donc dans le garage 2 tout ça, comme vous pouvez le voir, j'ai bien encore mes 3 Kuruma. Dans le garage 2, 3, j'en ai pas parce que j'en ai pas mis. Et ensuite c'est dans le garage de fonction numéro 2. Donc là la Kuruma que je viens de mettre. Ok, I got stuff to do. La première duplication et la deuxième est dans le centre d'opération mobile. Ok les potos. Donc voilà la vidéo, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre un petit like et à vous abonner. Et n'hésitez pas à rejoindre notre groupe Facebook les potos. Et un gros merci à So pour m'avoir encore aidé pour les vidéos. Merci poto. Allez à plus les potos, ciao ciao.